Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le cinquième épisode de mon let's play sur le jeu Anno du mai 70, sur la mission du grand crash boursier, et c'était actuellement un peu la grosse galère étant donné qu'on est à un bilan particulièrement négatif et une richesse pas forcément tellement énorme. Du coup, on a un problème, il nous faut plus de revenus. Clairement, on a un gros manque de revenus. Et pour pallier à ça, c'est soit on met masse, mais alors genre masse de centre-ville. Ce qui est qu'en fait une solution à court terme, étant donné qu'on n'aura jamais assez de revenus pour tout gérer. Soit... Je vais essayer de rapprocher un peu quand même. Toc. Les Soit on incitations fait de la fiscales ont vente. fortement. Soit on fait de la vente. Et ben on n'aura pas le choix, je pense qu'il va falloir faire de la vente à un moment. Qu'est-ce que je voulais dire sinon. Oui, c'est ça. L'histoire de la vente, il faut qu'on le fasse le plus vite possible. Malheureusement, ça a pas l'air de. Voilà. Ouf, j'ai cru que c'était pas bon. Y a pas l'air d'avoir grand monde qui vient nous acheter des trucs. C'est ballot. Du coup, en attendant, je pense qu'on va essayer de poser encore quelques maisons. Parce qu'il faut qu'on puisse survivre. Voilà, on est passé en dessous des 10 000. C'est clairement la grosse merde. On est un petit peu dans un... Face à un problème à ce niveau-là. Parce que je peux pas augmenter plus ma production d'objets si j'ai pas suffisamment de retour sur investissement. Ah, connexion perdue au jeu. Ok, d'accord. C'est pas très grave, on n'en a pas besoin. Ah, ça y est. Il va la Données rechercher. chargées. Les informations qui se rattachent au thème actuel sont prêtes. Ok, super. Je suis content pour toi. Mais pour l'instant, tu vois, je suis un petit peu occupé à autre chose. Ok, j'ai plus de... Recherche d'informations utiles dans la base de données. C'est fou, hein, ça vraiment, ça augmente pas du tout. Les revenus fiscaux, c'est risible. Informations sur la répartition démographique de... Oui, je sais. Oh là là. De toute façon, il me faut de la population, hein. J'ai pas trop le choix, il me faut de la population pour atteindre les 1 000 responsables tycoon. Ravi de vous être Ça fait beaucoup quand même, ça fait vraiment beaucoup. Là, ça en est où ici? Ça avance bien sans trop de problèmes? Oui, mes deux trucs de béton là, ils tournent à plein régime. C'est nickel. Ici. Ici, dans l'idéal, c'est qu'il faudrait qu'on puisse vendre des trucs. Oui, dès qu'ils arrivent, on peut vendre plein d'alcool, plein de tonnes de fer, pas mal de poissons. Ouais, il y a des trucs à acheter ici, hein, il y a des Je trucs à me faire. réjouis de vous être utile. Mais ce que je voudrais bien, c'est voir s'il n'y a pas Avez-vous des des gens. questions Non, toi, sur les t'achètes rien. technologies de SA? Global Trust est la Toi, première t'achètes des compagnie plastiques que j'ai pas encore exportatrice du fait. marché. Oui, je sais. S'il y a bien une chose sur Ce laquelle. qui Toi, m'intéresse, t'achètes ce sont les du bonnes charbon. affaires et les profits rapides. On est où le Enregistrement charbon? de la demande de quête. Information sur le sujet, chargée. Ok, ici, il n'y a pas beaucoup de charbon. En même temps, bon. Au niveau de l'énergie, voilà, ça prend le truc. Voilà, la connexion est établie. Le charbon, j'en ai 35 ici, mais je m'en sers pas mal. Je vais essayer d'aller en vendre un petit peu quand même. Je pense qu'on peut aller en vendre. On va aller vendre un peu de charbon à monsieur. Ici, non, mais ici c'est à moi. Les gens commencent à ouvrir les yeux. Les Ils sont transmetteurs, sensibles au c'est développement pas durable et voient d'un mon très niveau. mauvais œil les atteintes portées à l'environnement. Oui, toi t'achètes des armes, mais je vais pas me lancer là-dedans, c'est une mauvaise Ce qui idée. compte, Là c'est aussi c'est le charbon. l'argent. Pas... Ce qui compte, c'est l'argent. De l'argent, de l'argent. J'aime bien l'argent. Ceux qui regardent JDG comprendront la référence. Bon, tout ça me dit pas comment je vais faire pour survivre, parce que là je suis actuellement en train de me faire défoncer la nouille, lentement mais sûrement. Y a personne qui vient m'acheter des trucs, c'est génial. Bon alors, j'ai regardé, il n'y a pas vraiment moyen d'améliorer la chose, hein, ça va être quitte ou double. Je vais lancer la construction des plastiques. Tout simplement, on va voir si ça passe. Si ça passe et que j'arrive à vendre plein de plastique, ça va être bon, mais si ça passe pas, ça va être la... Bah, ça va casser. Ça va casser tout simplement. Bon, on va voir, on va essayer.
Je garantis rien. On va essayer de se caler à un endroit où on peut faire tout ça. On va par là, ça peut être pas mal. Donc, alors, on va commencer par les foreuses. Énergétique. Oh putain, il a pénurie énergétique. Ok, on a placé toutes les merdes, on va lancer la production déjà. Une pénurie à moins 8. Eh. On a vu que je pourrais rien caler d'autre ici, voilà. Ok. Normalement ça devrait partir, vous voyez je suis à moins 264, c'est vraiment quitte ou double. C'est soit j'arrive à lancer cette production et à faire quelque chose, soit c'est la fin des haricots. Et j'ai comme l'impression que ça risque d'être fortement la fin des haricots. Enfin, on verra bien. Ah, j'ai récupéré un peu de thunes tout d'un coup. Mais ce que j'aimerais, c'est que tu passes plus souvent. Partout à la fois. Parce que c'est pas comme si j'avais vraiment besoin de thunes, mais presque. Donc là, l'objectif, c'est clairement de fabriquer tellement de plastique qu'après, on va surblinder de ventes Monsieur Thorm. Nous allons changer tout ça. Parce qu'à coup de 130 crédits la tonne, il y a moyen qu'on arrive à récupérer un petit truc positif. Alors là, il y a Trenchcoat qui est en train de revenir. On va voir si on peut pas lui vendre des trucs. Ceux qui veulent... Oui, je le savais. Oui, je sais, je sais. Par contre, je dois vous avouer que là, je suis clairement dans la mouise. C'est assez tendu tout ça. Oh là là, je trouve qu'il y a très peu de pétrole sur celle-là. Bon, ça lance des trucs là, oui, ou ça n'a pas envie de travailler. Oh la vache, 729, c'est pas beaucoup, hein. Il va falloir que j'aille chercher du pétrole ailleurs. 812, mais il y a que dalle comme pétrole. Oui, il y avait toujours l'autre débile qui est venu en me disant hey, si tu mets pas un centre-ville tout de suite, c'est la merde. Ok, on va aller chercher ce début. Je voulais juste savoir si vous aviez réussi. Ok. Bon. Est-ce qu'on va arriver à gérer ces premiers modules de construction? C'est pas dit. On va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, il me reste encore 5000 de fric. On va voir. Hein. Bon, bah ça y est, on commence à atteindre les derniers sous-sous qui nous restent. Je faisais des petites missions en espérant d'avoir de l'argent, mais en fait, non. Pas du tout. J'ai pas réussi à vraiment faire des plastiques. Voilà, ça atteint à peine le mode de vie. J'ai dû installer pas mal de choses en plus, donc on est à moins 346, c'est n'importe quoi. Voilà. Alimentation en énergie inadéquate. Ah ouais, donc je dois plus avoir de charbon. Et oui, j'ai plus de charbon. En plus, j'ai plus de basalte. Il me reste 46 tonnes, donc j'ai bientôt plus de modules de construction. C'est bien la merde. C'est clairement la merde. Je suis pas sûr qu'on va arriver à finir cet épisode correctement. Voilà. Ça y est, on est à moins de 340. Il me reste plus qu'une une petite minute de jeu. Même pas. Je sais pas combien tous les combien c'est. Les moindres. Enfin, le bilan. Je crois que c'est fait toutes les minutes. Et c'est plutôt chaud. Ah! Coût d'entretien, moins 40%. Ouais, moins 327, d'accord. Je suis passé moins 341, moins 327, c'est cool. Alors, la question c'est, je ne sais pas du tout ce qui se passe quand on atteint le 0. On va le voir tout de suite. Ah, bon, bah c'est un peu dommage. Mais après, je pense que j'avais vraiment pas le niveau pour cette mission. Les deux dernières, j'ai réussi à passer en bourrin un peu, mais alors pour celle-là, c'est j'avais pas le level du tout. Yep. Oh la vache. Je regarde les niveaux de gisement, c'est ridicule, y a plus rien. 7, 4... Moins 14. Ah d'accord. Votre plan est déloyal. Je peux continuer à aller dans le rouge. Mais du coup, je peux plus imposer.
Oui, c'est ça, je peux plus imposer. Je peux continuer à aller dans le rouge, donc mon bilan continue à s'écrouler. Mais je peux... Non, je peux pas imposer. Ouais, donc là, je suis clairement bloqué. Hein. Je pense qu'avec un bilan aussi négatif que ça, c'est plus possible. Et je pense que... C'est pas vraiment la faute à la manette, j'allais dire. Mais non, pas du tout. C'est pas vraiment la faute aux employés et tout ça qui ne donnent rien. Bah. Dans l'absolu, si. Parce que là, je devrais gagner le triple, voire le quadruple de ce qu'ils me produisent. Hein. Donc là, mon bilan, il devrait être largement positif. Pour le peu de bâtiments que j'ai mis, c'est un peu débile. Mais bon, c'est la mission, c'est comme ça, c'est ce qu'il fallait faire. Et si je le fais pas, bah, c'est que j'y arrive pas. Oui, donc après, j'ai jamais dit que j'étais un pro player de Anno. Moi, j'aime bien ça, mais après, il y a des missions comme celle-là qui sont que j'ai vraiment du mal. Pénurie énergétique. Oui, je détectée. Sais que j'ai une pénurie énergétique. Voilà, donc c'est un peu trop la galère. Je pense qu'on va arrêter les frais pour cette fois-ci. C'était pas simple hein, cette mission, franchement, j'ai vu plus facile, j'ai réussi à faire des missions difficiles, mais alors celle-là, le fait qu'on n'ait pas le droit, enfin, oui c'est ça en fait, on n'a pas le droit d'avoir les bâtiments de population pour générer des revenus, ça rend la chose vraiment pas facile, ça rend la chose clairement pas facile. Et voilà, bon, j'ai trouvé ça cool quand même, hein. Cool, là, je suis à moins 43%. C'est le jeu qui est en train de partir en couille, là. Le jeu qui est en train de partir en couille. En tout cas, je me suis quand même bien amusé, même si ça a été assez court. J'espère que le let's play vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les épisodes, dans les commentaires de la vidéo. Hein. N'oubliez pas, je ne suis pas un pro player. Je ne me considère pas comme un des meilleurs joueurs de Anno. J'ai sans doute fait pas mal d'erreurs, surtout pour ceux qui y jouent souvent. J'y joue assez peu, finalement, ce qui est dommage. Mais je me suis bien amusé et j'espère que ça vous aura plu, c'est le principal. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à me dire à me donner des conseils, tout ça. Bien évidemment, je les lis après avoir fait la saison. Hein. Mais si je retourne un petit peu sur ce jeu, peut-être déjà sur une autre mission parce que celle-là est vraiment pas facile. Lorsque je retournerai sur ce jeu, ce qui risque d'être le cas, je sais pas trop quand, je pense que j'essaierai de m'améliorer en suivant vos conseils, si vous en avez quelques-uns à me donner. Voilà, voilà, voilà. Bon, comme je vous dis, j'espère que ça vous aura plu, et puis voilà. On se retrouve donc dans 4 jours pour un tout nouveau let's play, je ne sais pas encore sur quoi, mais j'ai ma petite idée. N'hésitez pas donc du coup à me dire ce que vous en avez pensé, et voilà. D'ici 4 jours, je vous dis... Voilà, bonne chance, bonne continuation, j'arrive pas à finir cette vidéo, c'est horrible. Et voilà, bon, allez, portez-vous bien, et comme je vous ai dit, on se retrouve dans 4 jours. Salut tout le monde!